Masso, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes, chercheur au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, et je co-dirige l'axe Transalpes avec mon collègue Benoît Lafont, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication. Philippe Bourdeau, professeur de géographie culturelle à l'Université Grenoble-Alpes, membre du laboratoire de sciences sociales PACT et coordinateur scientifique du LABEX Innovation et Transition Territoriale en Montagne, ITEM. Territoire. Alpes. Changement. Transalpes, c'est un axe qui travaille sur les Alpes comme terrain d'étude pour étudier les rapports entre les sociétés et leur territoire. L'intérêt des Alpes, c'est que c'est un territoire qui est contraignant et dans lequel les sociétés ont développé des solutions originales, on dirait innovantes aujourd'hui, pour continuer à fonctionner dans ce territoire dans le temps long. Et c'est un axe qui a contribué à créer le LABEX ITEM, dont Philippe Bourdeau va vous parler. Le LABEX ITEM est un programme de recherche à la charnière de l'UGA, l'USMB et l'INRAE. Il regroupe plus d'une centaine de chercheuses et de chercheurs qui sont actifs dans des domaines aussi divers que l'histoire, la géographie, l'économie, la sociologie, les sciences juridiques, les sciences de l'information et de la communication, les sciences du sport. Ces chercheurs ont comme projet commun d'observer et d'accompagner des innovations, des expérimentations qui, à partir des territoires de montagne, sont susceptibles d'être transposées et transférées dans d'autres territoires. L'objectif général de Transalpes, c'est de contribuer au renouvellement des approches sur les territoires de montagne, comme il l'a fait avec le LABEX ITEM. Et en ce moment, il développe deux nouvelles thématiques, l'une sur la valorisation économique des ressources territoriales en montagne liées à la santé, avec des collègues médecins, chimistes, gestionnaires, etc. Et l'autre qui porte sur les conditions des déplacements en territoire extrême, donc notamment en territoire de montagne, notamment aussi en situation de conflit ou en situation de guerre, et dans lesquelles on travaille aussi bien avec des historiens, des géographes, des spécialistes de sport, mais également des biomécaniciens. L'axe permet de faire connaître les pratiques qui ont permis aux sociétés de durer dans des territoires comme les territoires de montagne. Ce sont des questionnements que l'on interroge aujourd'hui sous l'angle de la transition. L'enjeu de la transition est d'ouvrir des voies à des ruptures majeures dans les systèmes socio-techniques et dans les modes de vie et de travail. C'est pourquoi les activités du LABEX, qui portent aussi bien sur le tourisme, sur les transports, l'énergie, la gouvernance, les pratiques résidentielles, vont s'opérer au plus près du terrain, en partenariat direct avec les acteurs des territoires de montagne, et sont inscrits dans une logique de soutenabilité à la fois environnementale et sociale. Transition est avant tout une affaire de changement humain, plus encore que de changement technologique ou énergétique. C'est pourquoi les sciences sociales ont un certain nombre de points de vue et de compréhension qui sont déterminants dans cette dynamique. Et les Alpes offrent à cet égard une perspective, un terrain particulièrement approprié.